Bien Olivier, bon, on va pas revenir sur ce match nul qui est un joli, joli résultat pour vos jeux courts, j'imagine, qui est dans la suite de votre saison, parce que vous faites une saison assez épatante à vos jeux courts. Oui, ouais, on fait une bonne fin de saison. On avait du mal au début, mais là on fait une bonne fin de saison. Les jeunes commencent à bien se trouver. Après aujourd'hui, on fait match nul. Un peu déçu ben, un petit peu déçu parce que Olga a été réduit à 3 avec le carton rouge. Et à un de moins, on aurait dû faire un peu plus la différence. Après, le stade est compliqué, on n'a pas tellement l'habitude de jouer là-dessus. Vous jouez sur dur. D'accord. Donc c'est très le différent, c'est mou là. Mais bon, c'est quand même un bon résultat. On était mieux avec une équipe très très jeune. Oui, j'ai vu. Moi, qui suis un ancêtre, le reste, c'est tous des jeunes qui ont 18 ans. On a un qui a 25 ans, c'est plus des jeunes. Néanmoins, tu marques encore 4 buts ce soir. Oui, ça, c'est... mais après, c'est ce que je leur ai expliqué, que c'était plus un collectif. Bien sûr. On ne marque pas des buts tout seul sur le terrain. Et pour faire un match nul, il faut bien défendre. Et on défend à 4, on attaque à 4. Donc c'est... Alors, comme personne ne te connaît dans le motoball, mais on va faire un petit portrait d'Olivier. Alors, tu es né il y a combien d'années? Quelques années? Un peu plus de 25 ans? Je suis né en 1974. D'accord, ah oui, donc alors 45 c'est... 45 ans cette année. Ah, et combien d'années de motoball? Première année en 1987. 87. J'avais 32 ans. Alors, 33e saison. 33e saison. Alors, comment tu es venu au motoball? C'est mon père et mes oncles qui jouaient. Mon père a joué une trentaine d'années aussi. D'accord. À vos jeux courts déjà? Oui, à vos jeux courts. Il était en équipe de France, il était champion d'Europe. D'accord. C'était un très bon joueur aussi. Donc, et toi, donc je suis né là-dedans. Tu es tombé dedans tout petit. Voilà, ouais. Et puis là, bon, c'est ma dernière saison, c'est la dernière fois. C'est vrai? Ah ouais? Ah, alors, c'était l'occasion de saisir. Ouais. Alors, Jo, on va revenir sur ta carrière. Alors, tu as joué à vos jeux courts au départ et ensuite, tu es allé. Je t'ai baladé un peu partout. Hein. Oui, je suis parti jouer une saison à Vitry-le-François. En région parisienne? Oui, dans Champagne. En Champagne, pardon, oui, excusez-moi, Champagne, pardon. Et j'ai été champion de France là-bas, et je suis parti après, j'ai joué 7 ans en Allemagne, dans un club allemand, j'ai été 3 fois champion d'Allemagne. C'est une super expérience, ça, de jouer un autre championnat. C'était quoi la différence entre le championnat français? Le sérieux allemand, un peu, on va dire, la qualité des infrastructures, des préparations. Un vrai professionnalisme. Voilà, ouais. C'est plus professionnel dans la préparation. Toi, tu étais professionnel là-bas? Non, je travaillais tout le temps. D'accord. En gros, semi-professionnel. Mais je continuais à travailler, j'allais que les week-ends pour jouer. Ah ok. Et alors pour l'entraînement, ça se passait comment en Allemagne? Des fois, je montais le vendredi pour m'entraîner le vendredi soir, et on jouait le samedi. D'accord. Donc, parce que le motoball, c'est très, très prisé en Allemagne. Hein. Oui, c'est un peu plus prisé qu'en France. Il y a à peu près le même nombre de clubs qu'en France quand même. Donc. D'accord. Mais c'est un peu pareil qu'en France. Et alors ensuite, au bout de 7 ans, tu es revenu en France? Voilà, je suis revenu. J'ai fait une saison à 3, entre-temps. Où j'ai gagné 2 titres aussi, la Coupe de France. Et après, je suis revenu à Boujoucourt, donc en 2010. Puis depuis 2010, c'est vrai qu'on a eu des très très bons résultats pendant 4 ou 5 ans. Avec les 2 fois champion de France, la Coupe de France. Donc c'est... Non, puis là, on a formé une équipe junior de jeunes il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ça importe ses fruits parce que... Aujourd'hui, je viens qu'avec des juniors à Boujoucourt. Et ça, c'est gratifiant pour le club. Et le fait d'avoir un garçon comme toi d'expérience, ça leur... On voit... Oui, je pense que ça aide aussi. Mais on a des jeunes quand même qui vont acquérir beaucoup d'expérience rapidement. Et on aura toujours une équipe compétitive. Alors après ta carrière de joueur, là, qui va s'arrêter, mais ça on ne sait pas. Peut-être que tu remettras peut-être les bottes l'année prochaine, non? Je pense pas. Non, je pense pas. Non. Alors après, tu feras quoi? J'avais déjà commencé cette année à m'occuper de l'équipe de France Junior. D'accord. Et donc on était champion d'Europe. J'étais entraîneur des U18, on était champion d'Europe. Et je vais continuer vraiment à m'occuper des juniors à Boujoucourt et d'équipe de France. Ça fait qu'à ça. Prendre un peu de vacances avec la famille parce que. Ouais, passer des étés un peu plus sympas. Oui, un peu plus cool. Ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir vraiment une femme et des enfants qui acceptent le sacrifice. Ça pour venir. C'est ma fille d'ailleurs qui joue. Qui joue, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est... Alors donc récemment, c'est ce que disait un de tes joueurs là pour te chambrer, tu as marqué 2000 buts, donc ce soir 2004, alors malheureusement pour Oulgat, tu leur en as planté 4. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour marquer autant de buts, pour être un buteur comme... Ouais, je pense que ce que disait tout à l'heure Jérémy, histoire d'être un bon footeux. Ouais. J'ai même été très, vu ma taille, encore plus lent, j'ai même été très rapide au foot. Mais par contre, très technique, ouais, ça se voit. Donc, c'est vrai que la qualité de frappe de balle, tout ça, le vice, l'expérience, ça fait beaucoup. On compense l'âge, mais après, je prépare beaucoup physiquement aussi. C'est ce que tu as fait dans toute ta carrière, une grosse préparation physique. Beaucoup préparé, beaucoup.
encore plus depuis 4 ou 5 ans, parce que c'est avec l'âge, ça va être difficile. Et si on ne se prépare pas, on ne peut pas être au niveau, à ce niveau-là. D'accord. Et pour le fait d'être un bon pilote de moto, ça s'apprend, c'est... Ouais, je pense que la moto, ça s'apprend plus facilement que... Que le foot. Si on n'est pas bon au foot, c'est difficile. C'est plus difficile, ouais, on met plus longtemps à progresser. Un jeune qui est pilote, bon, après, il va se débrouiller plus facilement avec la moto. Mais je pense qu'on a eu, nous, par le passé, un très très bon joueur qui était très très bon au foot. Et derrière ça, il n'a jamais fait de moto. Ouais. Au bout de 4 ou 5 ans, il avait un très 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 bon niveau. Ouais, parce qu'on est quand même tous épatés, là, la façon dont vous tournez, vous virez. Là, on voit ton jeune collègue en face, Frédéric Labbé, c'est pareil, il y avait une petite bagarre entre vous deux. On voit quand même que vous maîtrisez super bien, quand même. C'est, oui, c'est l'expérience, ça. Quand même. Après, il y a beaucoup d'expérience. D'accord. C'est un tout, on va dire. Alors là, tu vas arrêter ta carrière, donc il n'y a pas de regret. Est-ce qu'il y a un petit regret? C'est un crève-cœur, on va dire. C'est très difficile de dire qu'on va arrêter. Je pense que j'aurai beaucoup de mal au dernier match. Ouais. Bon, je compte faire... Ce sera où le dernier match, normalement? Ce sera à 3. Ouais. À 3. Voilà. D'accord. Après, c'est finir dans un grand club. C'est un grand club, ouais. Voilà. C'est une grande place du motoball, le Stade de l'eau. Un joli baissé de rideau. Voilà, rideaux, ouais. J'allais voir mon père jouer là-bas. J'ai joué là-bas. Donc, c'est... Après, il y a ça, mais ça sera très difficile. Après, je ne compte pas arrêter complètement, mais je ferai quelques matchs avec les anciens. Ouais, d'accord. L'entraînement, etc. Un jubilé, ça, bien sûr, bien sûr. Pour fêter la fin de ma carrière. Mais... Voilà, c'est ça. Ok, eh ben merci Olivier, et puis bravo pour ta carrière, merci. Et puis bon vent, et puis bon vent également à vous, je cours, pour cette fin de saison. Merci, et puis merci à vous, parce que j'ai assidu aux vidéos, comme disait Jérémy, on regarde tous les week-ends quand il y a un match à Ouliat. Là, très bien. C'est intéressant, ça permet de regarder comment joue Ouliat, comment jouent les autres équipes. C'est bien. Et c'est des super vidéos. Ok, ben je vous remercie beaucoup, c'est très gentil, mais merci à vous, aux joueurs de vos jeux courts. De rien, merci. Merci.